L'Institut supérieur des sciences infirmières dévoile ses nouvelles ambitions dans le cadre du lancement de ses activités commémoratives de ses 25 ans d'existence. Il s'agit entre autres de se doter d'une bibliothèque numérique et d'accroître le nombre de partenaires pour l'octroi des bourses. C'était au cours d'un dîner de gala que l'ICI a procédé à une collecte de fonds. 25 ans d'existence de l'Institut supérieur des sciences infirmières, ça s'est fait. Ces dîners de gala marquent le début des activités commémoratives. En présence de plusieurs personnalités, dont les ambassadeurs, les autorités, des partenaires techniques et financiers, les anciennes étudiantes, le personnel, la directrice générale de cette institution dévoile l'ambition majeure, celle de doter l'ICI d'une bibliothèque numérique, mais aussi rechercher les nouveaux parrains pour promouvoir la profession infirmière dans la qualité. Aujourd'hui, c'est l'activité de lancement des activités de 25 ans de l'ICI. Le dîner qu'on a organisé, en fait, c'est juste pour démarrer tout ce que nous allons faire au long de l'année 2022 jusqu'en 2023, jusqu'en janvier 2023. Donc nous comptons d'abord la levée de fonds parce que nous voulons avoir comme cadeau d'anniversaire à l'ICI, on peut dire, avoir une bibliothèque numérique. Étant donné que maintenant tout fonctionne par le digital, nous voulons aussi que nos infirmières puissent avoir accès à l'information du jour. Nous voulons avoir une bibliothèque numérique pour qu'elles puissent avoir accès à toute l'information. Un autre instant magique qui a marqué cette cérémonie, c'est la remise des diplômes et médailles de fidélité à ceux qui ont plus de 15 ans de carrière au sein de cette institution, dont l'apport demeure considérable. Il y a d'abord cette fierté d'être honoré. L'ICI, c'est une grande école de formation, non seulement pour les étudiantes, mais aussi pour nous. Pour nous, parce que nous avons beaucoup appris. 19 ans, c'est un sentiment de fierté, hein, de joie. Je me dis, ouf, enfin, ça encourage aussi. Faire mieux et donner le meilleur. Il était aussi question de la projection des témoignages des anciennes boursières, grâce également aux partenaires, dont l'association de parrains du Congo, Kélissi, appelle à l'implication des autres membres. Ce que nous aimerions, c'est qu'il y ait beaucoup de jeunes filles qui aiment la profession infirmière puissent y accéder. Et comme ça coûte de l'argent, hein, la formation a un coût, il faut pour cela que les parrains puissent nous aider pour que toutes ces filles qui veulent étudier puissent accéder aux études de bonne qualité. L'hygiène hospitalière et communautaire demeure la particularité de l'ICI. En 25 ans, les interventions de l'ICI ont impacté plus de 7500 bénéficiaires directs et plus d'1 500 000 bénéficiaires indirects. La première chose que je pourrais dire d'abord, c'est dire un seul mot, c'est merci à l'ICI parce que j'ai reçu une très bonne formation. Infirmière 5 étoiles comme nous nous appelons, en tout cas il n'y a que l'ICI. Et ça se sent même sur terrain. Et je souhaite que cela continue. Et à l'ICI, de continuer à maintenir le niveau de compétences d'études, c'est très important. Pour matérialiser l'ambition dévoilée ce soir, une collecte de fonds a été lancée, suivie d'une tombola pour encourager les bienfaiteurs.